Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus sérieuse que la dernière fois, avec la blague Rest in Peace, reste dans ta piste. Non, là aujourd'hui c'est du lourd, on va faire du sérieux. Je vous propose de découvrir l'incroyable Mary Grace, Marie-Grâce en français, l'incroyable bonne sœur, qui a fait une démonstration en anglais malheureusement de sa profession de foi. Elle explique dans la vidéo qui va suivre, regardez le lien en dessous de mon écran. Regardez en bas, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous avez l'étonnante Marie-Grâce. En fait, elle explique que chaque vie a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Mais elle le dit avec une telle conviction, une telle force que je ne peux pas m'empêcher de vous la faire partager cette vidéo. Peut-être que Daily TV Mass au Canada portera plainte et qu'elle sera suspendue pour cause d'infraction au droit d'auteur. Mais moi, je tente quand même le coup. Parce qu'un tel cadeau, un tel cadeau, ça doit se partager. Savoir que Dieu nous aime quoi qu'on fasse, quelles que soient nos iniquités, nos péchés, Dieu continue de nous aimer. Et je trouve ça malsain qu'à Lourdes, oui, la sainte ville de Lourdes, il y ait autant d'athéisme et de mécréance. Vraiment, je veux devenir un intégriste religieux, même si j'ai pas le charisme pour entrer dans les ordres, ni pour me marier. Oui, parce qu'en ce moment-là, c'est la semaine. Depuis lundi, là, ce lundi, on est aujourd'hui samedi, on arrive à la conclusion d'une semaine sainte de prière pour les vocations religieuses. Et pour les gens mariés, alors moi je trouve que malheureusement l'église des poils présente mal les choses parce qu'elle dit t'as le choix entre le mariage ou la vie religieuse. En gros c'est maman ou putain ou c'est marié ou alors t'es prêtre. Si t'es pas marié père de famille ou si t'es pas prêtre, tu n'es que dans le péché mortel. C'est pas aussi simple que ça. Des fois on ne trouve pas chaussure à son pied donc on peut pas se marier. Moi, je suis follement amoureux de quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être si elle voit cette vidéo. Je suis follement amoureux d'une femme qui ne veut pas de moi. Alors, je ne peux pas me marier puisqu'elle ne le veut pas. Mais je me sens marié à cette femme dans mon cœur. Parce que la raison de l'amour l'emporte sur toutes les autres raisons. Et donc le mariage, pour moi, c'est exclu. Et la vie religieuse, je n'ai pas le charisme pour aller me faire prêtre ou moine ou etc. Cela étant dit, je suis devenu un intégriste, je souhaite devenir un intégriste religieux, parce que finalement, dans la vie, si tu enlèves la perception de Dieu, si tu enlèves la notion d'éternité, qu'est-ce qui nous reste finalement? Rien. Parce que j'ai remarqué que ceux qui quittaient le giron de l'église catholique, ou le giron de la religion, quelle qu'elle soit, si tu abandonnes l'idée que Dieu existe et qu'il t'aime infiniment, il ne te reste que ton égoïsme et ton orgueil et tous les autres péchés mortels qui vont avec. Et non, mais tu ne comprends pas ce que je dis, mais un jour tu comprendras, ça fera sens dans ta tête, ça fera du sens dans ta tête, parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, on ne peut pas vivre sans l'amour éternel, on ne peut pas vivre sans la notion d'éternité. On n'est pas des denrées périssables. Jacques Brel, qu'on admire, il avait dit en rigolant, l'homme est une denrée périssable à l'image d'une pomme. C'est ce que disait Jacques Brel, mais c'est pas exactement ça. L'homme n'est pas périssable, bien au contraire, il est éternel. Et donc, je pense qu'on vit éternellement dans des dimensions qui nous échappent. Mais ça c'est sûr qu'on a un lien infini avec le cosmos, avec l'univers tout entier qui nous entoure. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut respecter l'environnement. Il faut être écologiste, pas pour un idéal politique, mais parce que si tu respectes pas la planète qui t'entoure et qui te fait vivre, la planète te fait vivre, si tu respectes pas le pays dans lequel tu vis, comment tu peux être sûr que Dieu te... Comment tu peux être sûr... Attends, là j'ai un bug. Là. Il faut respecter l'environnement parce que, en gros, c'est une manière comme une autre de trouver Dieu. Oui, quand tu es à l'écoute de la nature, la nature nous parle, mais nous ne l'écoutons pas. C'était Victor Hugo qui disait ça. Repris plus tard par Jacques Chirac, dont c'est l'anniversaire de présidence. Il y a 27 ans, Jacques Chirac devenait président de la République.
Repose en paix, Jaco. Nous t'aimons. Jaco, je te fais un grand coucou, une grande dédicace. Jacques Chirac a été mon modèle de vie, mon exemple, mon moteur pour avancer. Cette vidéo, comme d'habitude, elle part dans tous les sens. Cette vidéo part dans tous les sens, mais bon, vous avez l'habitude si vous me suivez régulièrement. Et si tu suis cette vidéo, c'est que tu m'aimes bien. Donc je continue. Oui, Jacques Chirac, repose en paix, parce qu'aujourd'hui tu as 27 ans de présidence. Pour moi, le seul président de la République, ça restera toujours Jacques Chirac. J'étais à deux doigts d'aller voter cette année pour mettre un bulletin de Chirac dans l'urne. Oui, pour moi, c'est Jacques Chirac et point barre. Hein. Ça, je serai chiracain pour l'éternité. Oui, il a menti, oui, il avait des casseroles, mais tu sais, en politique, il n'y en a pas eu un seul comme lui qui lui arrive à la cheville. Hommes et femmes confondus, quelles que soient les étiquettes politiques qu'on colle au candidat ou à la candidate, Jacques Chirac, c'était un monument. Repose en paix, Jacques Chirac, tu l'as bien mérité. Et qu'on te laisse tranquille avec toutes tes casseroles passées, présentes et futures. Amen. Oui, ça part en couille cette vidéo, je sais, mais franchement, je voudrais que les gens arrivent à croire en Dieu. Malheureusement, on ne peut pas la transmettre, la foi religieuse. Mais bon, je pense que l'athéisme n'apporte rien de bon parce que il n'y a pas de système politique qui puisse résoudre tes problèmes, il n'y a pas un être humain qui va résoudre tes problèmes, et le mariage n'est pas rose tous les jours. Je pense pas qu'on puisse aimer quelqu'un 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Il y a bien un moment où on est déçu et malheureusement la vie quotidienne nous déçoit. Donc si tu crois que Dieu existe, si Dieu est avec toi, tu te rendras compte que rien ne te manque. Même pas la vie sexuelle, même pas les relations amoureuses. Il y a que Dieu qui peut combler ta vie dans l'absolu. Il y a que Dieu qui peut être l'époux de ton âme en quelque sorte. Parce que Dieu épouse ton âme comme un jeune homme plein de fougue et de vigueur épouse une jeune fille vierge. C'est écrit dans le prophète Osée, c'est écrit dans le prophète Isaïe. Va regarder l'Ancien Testament dans la Bible de Jérusalem. La Sainte Bible de Jérusalem, je le précise. Bon, je m'arrête là. Profite de la vidéo, hélas en anglais, mais si tu comprends bien l'anglais, tu vas t'en sortir. Hein. Si tu comprends un peu l'anglais, si tu comprends comme moi l'anglais, tu vas te régaler avec le témoignage de Sœur Mary Grace. Sœur Mary Grace, elle est extraordinaire. Il n'y a qu'à voir ses yeux pour être convaincu de la véracité de ses propos. Oui, Dieu existe, oui, Dieu nous aime, et quelle que soit notre vie, quel que soit notre parcours personnel, eh ben Dieu nous rejoint en toute intimité dans notre cœur. Dieu, il n'arrête pas de nous aimer, et c'est magnifique d'en être convaincu. Ce sera le mot de la fin. J'en ferai d'autres des vidéos, même si ça fait que une vue, eh ben j'en serai content quand même. Parce que même pour une vue, je me dis que ça vaut le coup de faire des vidéos, plutôt que de rester bêtement dans son coin à pleurnicher. Voilà, il faut secouer l'esprit des gens. Il faut secouer les gens. Amen. Passe un bon samedi, au fait.